selon les principes de la double pensée, peu importe que la guerre ne soit pas réelle, ou si elle l'est, que la victoire ne soit pas possible. La guerre ne vise pas à la victoire, elle vise à être continuelle. L'acte essentiel de la guerre moderne est la destruction du produit du travail humain. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte. Julia, tu es réveillée. Minorité ne fait pas de soi un fou. Julia, mon amour.